Ah, salut Barski. Alors, ça va? Ah, je viens de nous installer à ces trucs là, regardez. J'ai acheté quelque chose dans un garage. C'est un machin qui paraît qui marche du tonnerre, ça améliore la puissance du véhicule. Déjà qu'on a un bolide, là on va tracer comme des fous. J'ai hâte de voir ça. Je connais pas le truc, mais ça va tracer. Bon, tu vas nous préparer le déjeuner, Thomas? T'inquiète, Popiette, j'y fonce. Ok. Téléphone! Ah! Allô? Comment on fait pour décrocher? Appuie sur le bouton vert! Ah! Allô? Ah, monsieur Dupont! Ouais! Vous allez bien? Ouais, moi aussi, bah nous aussi même! On vient de se lever là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Ah bon? Ouais, bon, on va venir tout de suite! Bon, on a un nouveau petit bolide là, on l'a amélioré! On sera là dans moins de 10 minutes chez vous. Ouais, on se bagne. Barski. Ouais. Comment on raccroche? Bouton rouge. Voilà, c'est la nouvelle technologie, c'est chiant. Ouais. Je peux faire un entrance à téléphone. Allez vite, dans la bagnole. Nouvelle table, du matériel. Dépêche-toi, Barski. Bon, il sera peut-être temps d'essayer ton nouveau truc. Ouais, bah ouvre la boîte à gants, c'est dedans. T'as vu? Je sais pas c'est quoi, je connais pas, mais... La Nitro. Ah, Nitro ça s'appelle. C'est le nom qu'il a dû me dire. Ouais, avec ça tu boostes la puissance de ton moteur. On va l'essayer là, on va prendre l'axe routier. Eh, c'est bon, on est sur la route. Vas-y, appuie sur le petit bouton on qu'on teste. Ok, ok, attends. Attention! Ouais. Maintenant! Ce qu'il a à nous proposer, M. Dupont, comme nouvelle enquête. Ah, bien. C'est parti. Yo, M. Dupont. Oh, M. Dupont. Oh. Ça va? Les gars, salut. Ça va? Comment ça va? Ça va. Fait chaud, fait chaud. Ouais, ouais. Et là, M. Dupont, on fait quoi là? Ah, je fais mon foin. Ah, ouais. Deuxième coupe d'année, ça a plu, ça a un peu de chaleur, alors ça a poussé vite cette année, comme vous voyez. Ok. Ah, ok, il paraît que vous avez une nouvelle femme. Ah, ouais, j'ai une nouvelle femme. Une brune, un gros néné. Bien, elle est bien. Un gros néné, hein? Ah, oui, ouais, ouais, voilà. Bien monté, bien. M. Dupont, vous avez un peu le sujet d'assez mystérieux. Eh, oui, tous les matins, quand je traverse mon champ pour aller chier, elles sont aux toilettes. Elles sont là-bas. Oh. Ah ouais. Mais on dirait qu'il y a du mouvement là-bas. Ouais, ouais. C'est ma femelle qui revient du petit coin. Ah ouais, ok. Eh, dès qu'elle sort là. Thank you.
C'est elle votre nouvelle femme, madame Dupont numéro 2? Ouais, qui est la Denise? Denise, on s'appelle. Bon alors, monsieur Dupont, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Va chercher le bloc-noc, Barski. Pas de problème. Bon, vous nous avez téléphoné ce matin vers 9h45 pour nous signaler que vous avez vu la présence d'un signe étrange dans votre champ. Oui. Alors, que représente ce signe? Je sais pas, mais ça détériore tout mon champ. Et moi, ça me fait une botte de foin en moins, ça va pas. Une botte de foin en moins. Peut-être un paysan concurrent? Non. Non, vous n'avez pas d'ennemis? Ah non, pas que je sache. Pas d'ennemis. Ah non. Et où est ce signe mystérieux? Par là-bas. Ah, Barski. Ouais. T'as amené le bloc-notes? Ouais. Bravo. Tu vois ça? Ok. T'as pris plus lourd. Ah, j'ai choisi pour l'en-tête. Pour l'en-tête? Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. Bon, monsieur Dupont. On va enregistrer votre déposition. Vous portez bien plainte contre ce confessier. Ah ouais, parce que moi, une botte de foin moins, manque à gagner. Ah, c'est sûr. Quelle heure était-il? Environ 8h22 et 35 secondes. Ok. D'accord. C'est à peu près, hein? Hop. D'accord. Ouais. Et où alliez-vous donc? Aux toilettes? Aux toilettes. Et vous allez faire quoi? Chier un coup. Chier un coup. Très bien. Et le signe donc est par là-bas? Par là-bas. Ah, c'est votre femme qui arrive là-bas? Ah ouais, c'est Denise. On va lui demander quelques précisions. Elle est elle a sûrement mieux vu que moi. Elle. D'accord, on va lui demander. De partout. Madame Dupont, s'il vous plaît. On a quelques questions pour vous poser. Oh, c'est... Allez, Léon. Denise. Mon Léon. Ah, Denise, comment? Et c'est qui, ces deux rigolos, là? C'est la police du Beaugency. Ah bah, des dents. Il y a un enquêté. Il y a ces grelets là, vieux, dis donc. Ouais, ouais. Il y en a pas fait, hein. Ah ouais. Enchanté, madame. Inspecteur Butch. Denise. Enchanté. Barski. Vous savez, Barski. Alors, ça se passe bien avec votre nouvelle femme, apparemment. Très très bien, Denise, sensationnel. Oh, puis ça y est, grosse miche, tout. Ah, d'accord. On s'amuse bien, hein. Ouais. Si vous voulez rester ce soir, hein, y en a pour tout le monde, hein. Pas de problème, c'est bon. On a notre habitation. J'ai du 51, j'ai de la misette. Bon, c'est bon. On reste un peu bon. Elle a juste la nuit, elle a tout le temps envie de pisser la nuit, moi ça m'énerve. Ah. C'est qu'elle chiotte sur l'autre bout, là. Ah, tu n'es qu'à décider à mettre des chiottes dans la maison, toi. Mais pas assez de foin, moi, on me pique mon foin, là. Ah bah moi, la prochaine fois, je pisse dans la cour, hein. Dans la cour, est-ce qu'il y en a marre, hein? Ouais. Alors, madame Dupont, venez-vous au sujet des signes mystérieux du champ? Oh, ça c'est dégueulasse, franchement! Avec ces abrutis qui font des signes au milieu des champs! C'est à peu près une botte de foin, moi, hein! Avec ta botte de foin, tu vas pas nous lâcher vendre une autre botte de foin de plus, et ça pourrait faire installer des chiottes à la maison! Ouais! Et ouais. C'est pas faux! Pas faux, ça vous éviterait d'aller. C'est pas faux! Et voilà! Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refaire le champ comme il faut? Bah, on va d'abord étudier le signe, madame, et on verra en conséquence. Étudier le signe, Tout à fait. Ah, pas nous refaire le champ d'étudier le signe, Mandou. Déjà, vous allez nous montrer ce signe, comme ça, au moins, on verra ce qu'on va faire. Okay. D'accord. Bah, toi, si tu veux aller nettoyer la maison pendant que je montre le signe. Ouais, et puis je mettrai le 51 au frais. D'accord. De l'eau fraîche. D'accord. On va faire comme ça. N'oublie pas les cacahuètes, hein. T'inquiète pas, Denise, j'y penserai. Allez, au revoir, monsieur Dupont. Hein. Au revoir. Venez, je vais vous montrer ces signes parce que vous êtes tellement en fait, vous les verriez pas. Allez, venez.